pendant la campagne, plusieurs politiciens, dans un congrès, viennent faire beaucoup de propositions pour la force policière. Mais nous, nous attendons qu'ils savent pas de propositions paraître des congrès, pendant le congrès, dans un manifesto, parce que les paroles s'envolent, les chrétiens restent. En 2014, le gouvernement sortant permettait aux policiers de se syndiquer dans son manifesto et nous avons le droit de se syndiquer à travers la police membership of Trade Union Act. Alors le CP nous accueille avec joie que l'Alliance mauricienne finit mettre dans son manifesto trois grosses affaires pour les policiers, c'est-à-dire l'assurance pour les policiers. D'abord la nature de notre travail, bien risquant, bien dangereux, il y a beaucoup de policiers qui peuvent blesser leur travail, il y a beaucoup de crasse-vente et les autres. Tout le policier qui avait été en service pour être promu aux saisons, ça c'est une très grosse affaire et ça, il est bien accueilli parmi la masse policière, c'est tout le monde qui peut attendre une promotion parce que la promotion est un gros sous de frustration de la force policière et aussi le paiement de nos performance bonus. Ensuite de ça, nous disons le prochain gouvernement qui va venir publier les bons qui le rapport de PRB pour point effet à partir de janvier 2020, nous demander à ce que les policiers aient une meilleure PRB, meilleure conditions de travail, un meilleur système, un bon équipement et aussi qu'ils gagnent le Bank of Police Officers Scheme, ils gagnent un bon effectif dans différents postes de police et c'est tout, dans différents heures pour nous, c'est tout, SMF, SSU et Coast Guard, qui ont l'air de travail diminué. Nous ne pouvons aucun conseiller de vote à tout le monde policier. Nous vous devons voter en toute âme et conscience et d'abord de l'intelligence, basant le ce qui est proposé dans différents manifestos. Parce que quand il paraît d'un manifesto, nous sommes sur blanc. Alors nous, syndicats, qui ne pouvons faire cadeau personne, nous pour la guerre, nous sommes en droit.